dernier Sotino. Moi, c'est Jacques Lambélizer avec un grand point qui a dominé l'actualité. Actualité dans la région Moyen-Orient, bataille féroce dans Rafah, dans un moment de division, a persisté entre Israël et États-Unis sur une opération État hébreu dans Rafah. Procès historique, ancien président Donald Trump qui en bas accusation d'escalité acheté silence vedette porno Stormy Daniels, oui, procès a continué dans New York avec déposition Michael Cohen, ancien avocat M. Trump. Et puis, dans un rencontre dans Nairobi, dans le pays Kenya, secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres félicité président PIA William Ruto pour leadership li accepté jouer dans cette mission multinationale soutien sécurité dans le pays d'Haïti. Et c'est pour ça avec l'autre accord nous va le développer pour dans un petit moment. Bonjour bonsoir tout le monde madame manan qui l'est qui côté ou attendre et regarder en même temps vidéo ça. Déjà nous vous bienvenue l'autre fois sur channel là pour une nouvelle édition la voix de l'Amérique qui nous porter pour aujourd'hui à parmi quelques autres grands points qui dominent l'actualité que nous porter pour nous venir avec un article qui sorti dans moyens amis ou même fait pour rentrer dans pays d'Haïti n'a autorité branché. L'autre côté n'a pas connait Johnny Lajoie lui-même c'est non jeune haïtien de 32 l'année qui a vu chez les traversés dans pays États-Unis et bien il a rejoint la molle dans pays ici là dans une situation qui vraiment grave un citoyen yo accusé comme volé bœuf prend zip dans Jacques Mel population dans localité Matado et bien première section Cap Rouge Jacques Mel dit chimé bouton lui-même c'est chimé maling wap saisi tandé et bien Sinapoa pour ESPN 17 continue à demander révocation DG la police là monsieur France LB pour complicité lui-même avec gang yo après au fin prend commune Grissy qui retombé comme un territoire perdu dans moment ça là n'a parlé avec wa 5 conseiller a gagné pour eux-mêmes prendre toute décision dans conseil présidentiel là rester branché pour ça plaisir l'autre nous porter pour une édition nouvelle ça mais pas oublier abonner avec channel là si c'est pour la première fois tomber sur lui pas oublier activer la cloche notification pour la mettre sur toute pas oublier quitter un like sur vidéo partager avec un ami une famille une façon pour aider nous grandir communauté channel là nous pas prêter trop la voix de l'Amérique puis devant les détails on a commencé avec actualité internationale là côté région Moyen-Orient toujours abdominé actualité a c'est une actualité qui a mené nous directement dans les Nations Unies. We shall now begin the voting process. One, please signify. Oui, Assemblée générale Nations Unies li prend un vote symbolique côté que l'adopté à 143 voix pour 9 contre et tant que nous capable là 25 abstentions résolution qui bail l'autre droit et privilège pour l'État palestinien. Tandis que vote ça, dans vote ça, Nations Unies a adopté plusieurs autres modalités, tant coup, autorisation pour l'État palestinien capable de participer dans la session Nations Unies à partir de 79e session. Il y a plusieurs réactions qui déjà sorti, notamment bon côté Israël, qui dit que vote ça, c'est un vote qui récompense salaire les violences. Et puis, il y a tout Mahmoud Abbas qui dit que c'est un premier pas qui fait dans la bonne direction. Et puis, dans le même sujet, il y a un soldat israélien qui boucante coup de zam, coup de mortier dans Rafah. Pendant que la question Rafah divise, continue à diviser Israël avec les États-Unis et les Nations Unies, tout Jean-Robert Philippe Galetaï. Affrontement violent a déroulé entre soldats israéliens avec militants palestiniens à Massio dans la zone ville Rafah, dans le sud Gaza, ça qui force plus passer 110 000 personnes courir à la partie nord, d'après les Nations Unies. Attaque ça a déroulé après le Premier ministre Benjamin Netanyahu, semblait repousser jeudi 9 mai, décision président Biden prend pour lui camper sous livraison quelques armes si l'État hébreu continue à attaquer ville Rafah. L'idée israélien déclaré, nous n'en avons 76 ans d'indépendance, nous t'ai représenté un petit poignet parmi un pilote, en bas aux âmes, mais à campir le courage, héroïsme avec unité, nous avons remporté la victoire et je dis à nous plus fort toujours. You know, we often had our agreements, but we've had our disagreements. We've been able to overcome them. I hope we can overcome them now. Dans une interview avec Dr. Phil Prime Time, Premier ministre Benjamin Netanyahu exprimé espoir, lui-même avec président Joe Biden. Ça pas empêcher que nous continuions à faire tout ce que nous capables. Il y a un petit problème technique avec le reportage Jean-Robert sur Grand Point Cap Dominé, actualité internationale, là, surtout et dans la région Moyen-Orient. Et toujours il y a une division entre Washington avec quelques puissances occidentales, notamment avec toute organisation mondiale et organisation Nations Unies. Nous parlons au jeune Jean-Robert Philippe dans le reportage là. Elle parie pour le camper pour contre lui dans la bataille là, même s'il reconnaît le pays, il gagne l'autre supporter. We actually think that
a Rafah operation would weaken Israel's position both in these talks and writ large. Pour toi, le département d'État Matthew Miller a déclaré États-Unis croient une grosse opération militaire dans ville Rafah affaiblit la position d'Israël dans ce qui a parlé de l'affaire sous otage avec militants Hamas palestiniens. L'administration américaine a continué de travailler avec Israël pour amender ce cessez-le-feu Hamas proposé. We'll probably have to have some kind of civilian government, civilian administration by Gazans who are not committed to our destruction. Premier Netanyahu, pas écarté possibilité pour gagner un gouvernement civil dans le territoire Gaza, mais qui pas prend engagement pour détruire Israël. Monsieur Netanyahu cite assistance pays tant cou, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite avec l'autre pays, dit quoi qui voulait stabilité avec la paix dans la zone. Sogaisien et Léo fait connait pour qu'on y là, il a mené une série d'opérations limitées dans Rafah pour touiller militants Hamas et puis détruire infrastructures Hamas utilisées pour diriger le territoire. Militaires ont mandé civils pour chercher refuge dans une zone humanitaire élargie qui situé à 20 km avec zone hostilité. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et par rapport avec la guerre Israël-Hamas, la guerre mouvement et manifestation étudiant qu'a fait aux États-Unis, mais qui dépassait les États-Unis, qui allait juste en Europe et même dans l'Amérique latine. Et en parlant de l'Amérique latine, Gentil Augustin Junior a mené nous dans le pays Mexique. Plusieurs dizaines étudiants pour Palestine dans l'Université nationale autonome Mexique, une âme pigouée dans le pays, ont monté quand dans la ville Mexico hier jeudi 9 mai 2024 là, pour protester contre l'offensive militaire israélienne dans Gaza et puis solidariser avec la manifestation étudiant dans le pays Europe et États-Unis. Nous croyons que la brutalité de l'armée Israël là ne peut jamais suspendre jusqu'à ce que les forces mondiales soient unies. Ce n'est pas seulement dans la région Amérique latine, mais c'est tout partout dans le monde. Manifestants yo te monté tente ak drapeau palestinien devant quartier général université ya nan ville Mexico. Côté yo tap chanté, vive yon Palestine libre ak sorti nan rivière arrivé nan la mer ya. Palestine pral genyen et en particulier yo te mandé gouvernement mexicain yan couper toute relation diplomatique et commerciale ak Israël. Génocide ça te commencé depuis plus passé 7 mois et moi pensé que nous te prend trop de temps pour nous te agir. Mais finalement nous fait li. Moi gen en pile énergie pour cause ça, mais tout en pile inquiétude, tristesse et si tout colère. Aux États-Unis, quelques professeurs dans ICLA a demandé pour administration université ya fini ak plan li genyen pour pini étudiants yoté arrêté dernièrement dans yon camp nan campus la pendant yo t'ap protester contre la guerre k'ap kontinye nan Gaza. Administration université ya te fait li mal chaque fois et li te mette la vie étudiant nou yo en danger. En tant que yon département qui existait si tout à cause zak des obéissance civile et spécialement nous convaincu que université a droit protéger droit étudiant nou yo pour liberté la parole ak manifestation pacifique nan campus MIT ak université Pennsylvania. La police te démonté campement manifestant pro palestinien yo bien bonnet jeudi vendredi a et li te fait plusieurs arrestations. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une mobilisation qui existe au niveau international en Allemagne, dans l'état espagnol, aux États-Unis au niveau étudiant, et c'est normal que la jeunesse soit révoltée face au massacre, c'est quand même un enfant blessé et tué toutes les 10 minutes à Gaza. Aujourd'hui, c'est les chiffres de l'UNICEF. Donc on demande et on exige, au lieu d'avoir la police dans les universités, au lieu d'avoir des agents de sécurité dans les universités, on doit laisser et permettre que les étudiants puissent s'exprimer. C'est normalement un lieu dans lequel ça devrait être normal de le faire. En pile campus université américain, t'es souqué pas de plusieurs semaines avec manifestation contre attaque l'armée israélienne à mener dans Gaza. L'armée israélienne t'es commencé offensive ça dans Gaza après attaque Hamas dans date 7 octobre 2023 sous Israël, côté environ 1200 moun te perdi la vie yo. Aux États-Unis, administration université yo te rele policiers qui fait respecter la loi yo pour yo démonter campement yo ak déloger manifestants yo manou militari qui donc ak en pile force. Président Joe Biden te dit semaine passée ya que l'autre doit dominer sous campus yo pendant li affirmé que yo pas ka mettre babouquette nan bouche personne. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil, c'était avec reporter ça que n'a fermé chapitre sur région Moyen-Orient avec Israël Hamas là et nous parlons dans New York avec procès historique ancien président Donald Trump qui en bas accusation d'est-ce que il était acheté et silence vedette porno Stormy Daniels en 2016. Oui, procès ça a continué aujourd'hui et surtout avec déposition Michael Cohen, avocat ancien avocat Donald Trump. Nous sommes sur place, Valérie Saint-Louis.
Vedette film porno Stormy Daniels s'est fait face à gros questions difficiles dans mes avocat Donald Champion jeudi 9 mai pendant que l'équipe légale Donald Champion a essayé craser crédibilité une femme qui gagne une histoire relation sexuelle qui était passée dans l'année 2006 et qui jeudi en 2024 finalement histoire ça a débouché sous premier jugement criminel contre un ancien président américain. Histoire relation sexuelle Stormy Daniels avec Donald Trump fait même jury saisi les autant décausé avec détail femme ak nom monsieur Damio sous cabane. Ça qui t'a permis électeurs découvrir plusieurs aspects sous tempérament candidat ça qui était venu président en 2017 et 2021 pendant que le retournait fait campagne pour Rechita sous chaise bourrée dans Maison Blanche année ça. Vedette film porno Stormy Daniels qui était recevoir l'agent pour faire main bouche sous une relation sexuelle avec Donald Trump en 2006, t'est complété témoignage hier pendant plus que 4 temps côté que le t'a défendre tête li en bas gros question avec pression avocat défense qui t'a essayé suggérer que c'est menti mamzelle Tabay. Il était sous foulaille, il était inventé toute histoire. Avocat Trump t'a demandé une motion puis t'a annulé jugement et juge Juan Merchan t'a décidé contre motion défense là. Il t'a dit que Trump t'a violé l'ordre pour pas parler ni faire commentaire sous jugement 10 fois déjà. Il t'a menacé pour balle prison pour offense ça si à l'avenir t'a continué faire ça. Donald Trump fait face à 34 accusations sur dossier business côté que t'a fait magouille pour cacher remboursement l'agence à que t'a bail ancien avocat li Michael Cohen pour payer 130 000 $ by Stormy Daniels lui-même pour faire main bouche pour pas raconter relation sexuelle qu'il t'a gagné. Trump t'a démenti accusation ça yo, il t'a démenti tout soi-disant relation avec vedette film porno, il t'a démenti dit que le pas jamais fait sexe avec mamzelle. Toujours en bas question avocat Champion, Stormy Daniels admet que le pas toujours dit la vérité sous rencontre avec Donald Trump. Il te reconnaît que Donald Trump t'a mené dans jugement pour plus passer $500 000 dans un procès diffamation qui t'a échoué, il t'a refusé payer Trump l'argent ça. Comme ça tout, mamzelle pas de bail une explication claire sous raison qui fait que il t'a pris l'argent dans Donald Trump pour approcher silence pour pas parler et puis après ça il t'a décidé aller public contre Donald Trump. Il t'a admis tout que il raillit Donald Trump et il t'a voulu ouais monsieur dans prison si on t'a joint ni coupable. Un avocat Donald Trump, Susan Nature, s'est fait jury à comprendre que Stormy Daniels t'a essayé profiter de rencontrer avec Trump pour lui écrire histoire li dans livre. Stormy Daniels s'est reconnaît tout que il t'a dit quelques médias que il t'a fait sexe avec Donald Trump et puis il t'a dit plusieurs autres médias que pas de jambe t'a fait sexe ensemble avec lui. Procureur a essayé de démontrer que Donald Trump t'a essayé cacher toute trace document papier magouille à corruption avant élection 2016 là, une façon pour empêcher électeurs vinn connaître histoire claire que il t'a gagné avec vedette film porno ça qui t'a ca influencer vote yo. Jodi à dans tribunal là qui derrière dom là, prosecutor relé pour témoigner Rebecca Monish, ancien assistant chef financier organisation Trump plan Allen Weisenberg. Yo t'a relé tout à la barre Tracy Menzies, yo exécutif publication organisation Trump plan avec tout Madeleine Westerhout qui lui-même c'est assistant exécutif de la Trump dans Maison Blanche elle était président. Nous sous 15e jour jugement criminel ça que la justice en Manhattan New York a mené contre ancien président Donald Trump. Un jugement qui historique. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis Manhattan New York. Merci Valérie Saint-Louis. L'autre témoin qui est très important c'est Michael Cohen qui c'est en anglais le fixeur qui c'est ancien avocat et monsieur Trump au sous VOA Creole on suivre le programme dans langue créole haïtienne actualité dans pays d'Haïti dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer on a retourné encore dans Nations Unies qui fait nous joignons note et côté que yo dit que secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres lui même dans une rencontre dans Nairobi parler avec président Kenya Dr Ruto. Monsieur Guterres présenté condoléances pour moun qui mouri dans Kenya à toute dégâts inondation causé. Les remercier monsieur Ruto tout pour travail pays Kenya a fait là parer pour l'accueillir conférence société civile Nations Unies 2024 là numéro 1 organisation mondiale là en parlant de monsieur Guterres et ben il souligner importance conférence là dans moment il a avancé dans direction sommet qui gain pour dérouler dans New York en 2024. Monsieur Guterres était tout profiter saluer leadership Kenya dans tête mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, yon force que vraiment pays d'Haïti besoin d'après monsieur Guterres. De dirigeants ont discuté tout sous situation la paix et sécurité dans région Corn Afrique avec Grand Lac. Secrétaire général Nations Unies mettait yon l'autre fois encore accent sur importance Nairobi comme siège Nations Unies et il exprimait reconnaissance li by président Ruto pour soutien Nations Unies recevoir dans main gouvernement Kenya. Monsieur Ruto gen pour entrer aux États-Unis 23 mai kap vin la et dans même date ça Ruto a gen un contingent 200 policiers et pays Kenya kap gen pour débarquer dans pays d'Haïti et gen pile arrangement kap fait notamment noue plusieurs avions l'armée américaine qui vin porter matériel pour police nationale la, avec l'armée d'Haïti et pour parer avec arrivée force ça. Et puis pendant ce temps dans même l'idée gen habitants et dans différents quartiers populaires qui dans zone métropolitaine Port-au-Prince là et ben manifestant ça yo levé la voix contre force multinationale là zone ça c'est en cours Bel Air Delma 2 et quoi d'émission. Nous gen sous place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Massado Vilme, qui te vive pour nous, moment protestation ça. Yeah.
habitant dans la 3e circonscription Port-au-Prince, à que vous passez dans la commune Carrefour, qui gagne bon côté, plusieurs groupes civils armés manifestés, une façon pour dire non avec force étrangère qui a gagné pour entrer en notre pays, habitant qui fait moi de mettre à venir là. Nous passons plusieurs occupations déjà sous toute terre noire pays d'Haïti. Peut-être que ça va être nous mettre sous terre noire, sous tête ça. Parce que nous-mêmes, nous prenons l'occupation américaine déjà, nous prenons un ministre, nous prenons un ministre, nous prenons une dépatia, c'est système judiciaire là. Peut-être que dans mon dossier, le cas de justice, peut-être que vous, qui voulez nous faire 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 nous manifestation aussi là qui était démarré sous place Fontamara, parcouru plusieurs zones dans la troisième construction parmi eux, il y a passé Grand Ravine, il y a passé en dans village des Dieux, tout côté manifestation ça a été passé, nous était capable de voir mon qui a fonctionné normalement en dans zone là, nous pouvons nous en dans Grand Ravine, nous connaissons Grand Ravine qui gagne la dernière, ils ont cette des petits appli qui a dirigé zone là. Par contre, dans toute zone nous était passé, toute zone qui manifestation les mêmes qui était passé sorti de Fontamara, passé Grand Ravine, et bien faut nous moun yo même habitant dans zone Silayo, il a fonctionné normalement, nous capable voir commerce là qui a fonctionné normalement, nous capable voir circulation taxi moto qui a fonctionné normalement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa Lovine pour VOA Creole. Merci Massa Lovine, ta correspondant nous dit nous, c'est des zones que les des zones territoires perdus sont mot qui vient célèbre dans pays d'Haïti et côté ça yo gagné chef gang, mais dans moment que tu gagné protestation manifestation, ben toute bagaille t'a circulé, t'a fait normalement d'après ça correspondant nous et d'après image que nous saute joignant, c'était une manifestation contre force multinationale pour sécurité qui gagne pour entrer dans pays d'Haïti très bientôt. Pendant ce temps dans chapitre politique là, gagne conseil présidentiel transition qui poko vraiment démarrer notamment parce que pas gagné poko gagné il y a un document légal qui sorti dans le journal officiel Le Moniteur et en attendant gagner Edgar Leblanc fils qui aime cap jouer rôle président gagner en question de présidence rotative qui a fait donc jusqu'à présent toujours gagner un point d'interrogation sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti bien que et conseil des ministres pe, gouvernement intérimaire là et ben lui-même tout avec conseil présidentiel de transition ils mettent ensemble et ont déjà pris plusieurs décisions. Et puis, n'a pas dit que parti politique Voix Espérance d'Haïti, qui est dans le sud pays, a lancé un appel par le conseil présidentiel transition pour respecter l'engagement que vous prenez. Nous sommes sous place dans la ville, au Kaina, département sud pays, Jean-Ernst Eliska. Parti politique Voix Espérance d'Haïti, qui est dans le sud pays, a lancé appel par le conseil présidentiel transition pour mettre le nom divin, une façon pour commencer à résoudre quelques problèmes que la population a fait face. Tant qu'ou insécurité, grand goût, la vie chère, pour ne citer ça seulement. Plus de détails avec le président Voix Espérance d'Haïti, Fritz Nel Church. Haïti, pas pour sept partis politiques, Haïti, c'est pour tout Haïtien qui est lié. Même lorsque c'est eux-mêmes, qui jouent une bénédiction pour que yo capable de nommer et puis yo prêter serment pour mener le pays, il ne faut pas faire division comme quoi, c'est là que la caillou a dirigé. Nous-mêmes, dans la veille, nous venons pour nous lancer un signal clair. Pour nous dire chaque membre conseil, c'est une mission que vous gagnez pour vous délivrer. Mission en ligne là-dedans. Premièrement, vous gagnez pour vous rétablir la sécurité dans le pays, comme ça doit. Mettez campé un conseil électoral provisoire. Ou misez le peuple qui a souffert depuis bien longtemps, grand goût fin tuer la population. C'est passer maintenant la constitution et puis organiser l'élection pour le peuple choisir le monde qu'elle décide. Pour venir diriger dans le pays. Parti politique lavé souhaité membre conseil présidentiel transition respecter tout engagement yoté prend. Précision à coordonnatrice Patia Mentor Muriel. Lavé a suivre avec un pile attention. Pendant la tonne, application accord 3 avril là, qui toujours dans passage. Lavé souhaité membre conseil transition pour yon respecter tout engagement yoté prend. Devant nation, tant coup,
mettez en pays un gouvernement en tête nationale avec tout secteur dans le pays qui doit gagner un représentant qui soit dans chaque département. Résoudre problème et sécurité qui kembe papa ici en otage depuis un bon bout de temps qui mettait diaspora nous yo dans campé loin pays. Résoudre problème la vie chère pour peuple haïtien raler un souffle dans grand groupe qui pas suspend touyer peuple. Responsable parti voix espérance d'Haïti yo fait déclaration ça yo dans une conférence pour journalistes Jean-Ernst Eliscar VOA Creole Okay. Merci Eliska, saison l'appli qui a démarré officiellement 1er juin et qui a venu là, inquiété association à regroupement Femmes dans l'agriculture. Et structure ça a mandé l'État pour travail sous plan aménagement territoire dans l'idée pour limiter des gaillots. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Suite à go l'appli qui a tombé sous divers départements dans le pays d'Haïti, dans les derniers jours, Dr Inès Joseph, responsable association à regroupement Femmes dans l'agriculture, préoccupé par arrivée saison cyclonique là 1er juin cap vini là dans objectif pour faire face à situation agriculteur mandé autorité concernée penser à un plan aménagement territoire et citoyen yo pour eux même faire preuve de intelligence pour éviter à chaque fois une solution pompier. Nous capable compter déjà 12 monde qui aller mes amis, c'est pas pour nous toujours chercher solution pompier. Ça qui passe c'est pour nous porter secours, c'est pour nous ta capable, c'est pour autorité ta penser à un plan d'aménagement. Moi fait poids dans période là. Mais qu'on y a laissé pas leur poids, pas mettre le poids perdu. Parce qu'on est ennemi agriculture, c'est soleil avec mettre. Ou faut capable de faire ça. C'est ça que me dit de l'intelligence, pas trop d'investissement, beaucoup d'argent, mais faire mais chercher les gens qui connaissent pour accompagner ou pour permettre ou faire sort de fait, pour pas perdre. L'eau perdu, c'est pays a perdu. Les pays a perdu, c'est petit ou c'est famille qui pas bénéficier de sorte de fait. Mauvais temps pays a connaît, dernier temps ça a affecté particulièrement Grand Nord, côté inondation détruit jardin en pile citoyen qui gagne ferme agricole dans Arebo Canal Wana maintenant. Agriculteurs ont besoin de l'eau, c'est vrai, pour faire plantation grandir. Cependant, risque inondation yo pas de négliger. Responsable agrofam chaque spa, quoi li nécessaire pour pas abandonner l'agriculture qui selon lui-même c'est celle porte sortie pays d'Haïti. La question agricole là, le font camper tout. Elle a pu avoir gros frappe ça yo et que nous récolte sans c'est perdu avec gros bagaille ça alors que nous besoin la pluie. Mm-hmm. Nous besoin la pluie pour nous faire agriculture mais nous pas besoin trop de l'eau. Donc qui monde qui occupé de ça, qui est-ce qui doit veiller pour nous pas gagner trop de l'eau pour nous capable au moins construire un pluvium pour l'aime gagner de l'eau pour nous camper pour nous utiliser yo. Alors, pas bien manger tellement pour bête, yon konya, la pluie a passé tout en bas la boue, fourri yo. Nous connaissons depuis ça, yon a le bas, yon a de l'eau, bête yon pas bien manger, moun yon découragé, il faut que moun yon pas découragé, parce que nous connaissons que c'est agriculture qui pour lever nous dans l'état nous yon. Saison cyclonique là a commencé officiellement 1er juin cap vini là pour bout 30 novembre. Prévision yon dans l'Université Colorado aux États-Unis fait qu'on aime qu'elle gagne une saison très active pour 2024 là, avec 23 tempêtes, 11 ouragans, parmi yon 5 majeurs. Face à la prévision ça yo, Haïti doit prendre mesures préventives pour protéger la population et minimiser les dommages potentiels. Moi c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et bien je dis à ce vendredi, nous avons rendez-vous avec nouvelles sur HMI là, avec Jude Deonceré. Mike Andy Kajuste, alias Andy Beats, artiste solo, te rencontré à la presse après une récente performance dans North Miami Stadium. Nous demandons à l'artiste là comment les senti public là te accueillir. Bon, moi pense que après à chaque performance, moi-même ça que moi même faire, moi même font analyse, moi même font rétrospection pour moi OK. Mais qui ça qui marche, qui ça mon remet, qui ça pour me bail mon comme nouveau bagaille, moi toujours essayer varier tout ça m'a fait me pas qu'un bon set pour année, même que bon set pour moi. So tellement moi besoin adapter chaque côté mal et tout moi faire moi garder des trois statistiques dans database parce que moi gagne en façon pour me bailler mon yo en expérience personnalisée et ça vient ba résultat côté que chaque show après on l'autre moi vienne plus et comme si retour par rapport avec show ça et moi vraiment content pour ça parce que encore une fois ça montre que travail la paye. Puis devant dans conversation avec journaliste artiste Andy Beats annoncé que leur travail sur un CD. Artiste là pas en mesure pour te dire qui est CD a sorti. Mais so far nous étant censé presque pareil. En majorité c'est moi-même, mais gain en musique que c'est défunt Mika Ben, Rest in Peace qui produit pour moi. Ouais, so far a gain en pile collaboration sur album là, but moi Kimbel on se genre moi équilibré en façon pour pas paraître un projet qui est trop featuring ou bien qui est trop musique pour quoi. Moi faire égal, c'est dire les chiffres la sortie, tout monde apprécie moi c'est album là featuring, moi c'est album là pour quoi. Mais nous gon bel nombre pour que tout monde a besoin ça besoin plat complet net. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Marie Carmel, Jasmine avec déjà qui c'est trois mesdames qui habitué fait chorégraphie avec plusieurs artistes avec jazz dans HM Island, déclaré que sous liste pour décourager.
Melomanio pas respecté. Raison que moi voulais faire interview ça c'est pour me dire que nous pas vraiment gain respect que nous dans notre société haïtienne parce que nous fait nous c'est danseuse nous c'est chorégraphes. Là ouais artiste a danser comme ça c'est nous même qui behind the scene a fait tout travail. Nous travaille en pile des années dans Etchamalan, nous pas vraiment. Gain l'autre chorégraphes tout m'a parler pour celle tête moi-même. M'a parler pour l'autre toute chorégraphes qui a fait gros travail dans Etchamalan qui yo pas respect que besoin yo pas ignorer ça yo fait hein yo pas nous cœur pour nous continuer ça la faire mais nous même que qu'a fait ça la faire parce que nous remel si nous pas remel nous va la faire et pas pour tout comme bon c'est parce que nous remel nous faire notre bagage nous c'est éducation nous gagne tout nous gagne degré nous master degré nous étudier nous gagne business nous on travail professionnel mais danser son bagage que tu fais qu'à nous content nous remel ça la faire c'est peut-être ça nous continuer parce que ton bagage que nous remel. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, groupe musical New Bass pas existé encore dans Etienne Milan. Jazz l'a crasé, d'après ça nous apprend en babouche maestro chanteur fondateur Edier Lohor alias Edier New Bass. Artiste a confié nous qu'il y a un projet pour le réparer dans Etienne Milan en solo. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onseré pour Véroa Creole, Miami. Merci Jude, et c'est là tout que la pété. L'autre information qui nous porte pour nous, nous allons faire bon rallye dans le dossier. Commune Grissier qui fait tourner territoire perdu la côté nèg yo fait prendre commissariat pendant journée hier soir syndicat la police là le même qui fait tweet ça yo sur compte yo côté syndicat la police là mandé révocation avec arrestation monsieur France LB avec tout directeur départemental yo pour complicité yo à gang et bien refi porter secours à la police qui il même en danger yo relé complot tout monsieur France LB ak équipe qui a dirigé police nationale d'Haïti représenté yon danger pour PNH là et pour pays à tout c'est ça c'est n'importe quoi même qui c'est syndicat de la police nationale d'Haïti le n'a dit c'est pas si n'importe quoi plutôt c'est ISPNH 17 yo même c'est ça yo posté sur contrôle deuxième fois au fond l'autre suite encore côté au fait qu'on est commissariat Grissier perdu. ISPNH 17 syndicat la police la dénoncé DGLB avec équipe qui continue à craser police nationale d'Haïti et ben pas gain aucun moyen pour plus passer 25 commissariats et bien yo même avec antenne la police sous contrôle bandit si autorité yo pas complice pas jamais gain renfort chaque fois yo attaqué yon commissariat pour ISPNH 17 et bien dossier renfort qui pas jamais venir, il pas rien pour l'ouer sinon que li gen pour directement avec complicité qui gagne dans tête police là les mêmes qui gagne la donne France LB c'est ça que fait mandé et bien pour France LB les mêmes li là c'est bon li n'a pas si là parce que li n'a complicité avec gang selon ça ISPNH 17 yo même yo fait qu'on n'a pas rappelé au bandi examen yo même yo prend contrôle commissariat agressif et puis yo déjà envahi zone là et bien dans yon attaque ou même yote fait et bien pour arriver prendre contrôle commissariat Grissier ça t'est fait dans la nuit de vendredi soir 10 pour l'ouvrir matin là qui c'est jeudi samedi 11 mai 2024 là selon image qu'a partagé sur réseaux sociaux et dividi avec gros amis yo boule machine qui était dans la cour commissariat ensemble avec plaisir caille qui trouvait dans commune Grissier dans entrée sud pays en conséquence c'est une situation qui la cause population lui-même li obligé quitter Grissier pendant bandi yo même yo envahi espace là côté yo pas suspend boule caillou yon l'autre bo diverses images montrent habitants yo même ak valise sous tête dans l'idée pour chaper pour yo pour éviter yo pas victime en babal nèg exam yo pendant ça sorti mois février pour fin mois mars 2024 qui était passé à là selon réseau national la cap défend droit moun Haïti qui c'est RNDDH et bien c'était environ 15 bâtiments la police bandi exam yo même yo tabou limité sous ça et bien groupe nèg exam ça yo même yo crasé des locales la police qui c'est sous commissariat bon repos avec sous commissariat Delma 3 ça même yo crasé yo plate après ça yo fin prend n'a rappelé attaque nèg exam ça yo même yo fait dans commune Kafou jeudi qui était 18 avril 2024 là environ 8 moun te pedi la vie dans même moment ça tout yo même yo tenté prend contrôle commissariat qui tout dans zone côté nous connaît qui gagne là Omega pour aller là
ESPN A17 qui a demandé refogation France LB, est-ce qu'il y a une raison de t'assembler? C'est vrai, il fait qu'on n'a pas aucune façon pour tout commissariat ça yon en bas contrôle nèg exam si pas de complicité. Donc France LB, depuis le sous-pouvoir, pas de opération qui mène dans aucun base bandit. Base bandit, au lieu d'une opération, et bien c'est puissant. Yon même, yon n'a plus puissant. Il attaque, yon a fait sourire de l'homme, il était bail ultimatum bien rapide. France LB, lui même, il a pris le campé. Opération si là, et bien sorta de yon, nous même, n'a vu en bas bandit dans dernier jour ça là et bien pas gain route pas bra et bien gang yo même pendant yo fin près commune Gressia qui dans capitale qui dans entre sud capitale là et bien conseil présidentiel là tout les continuer à marquer pas sur place ça pendant peuple là lui même l'a trimé la pérez gang yo même yo vinn pi arrogant parce que yo apprendre force mission multinationale là pas ta loin rentrer dans pays d'Haïti en l'autre pas. Directeur général la police la France LB, eh bien, li vaga koucha moun en poste li pendant ça, eh bien, syndicat la police la, li continue à demander révocation, qui donc, et même arrêté le tout, parce que responsable qui dans syndicat, li même, li fini ak sal, li pour chef police la, li même, li se yon menace pour institution pays, qui donc, si se yon menace, c'est da bien rapide, France LB ta supposé arrêter, révoquer et arrêter pour la répondre question. 5 conseillers ap gen pou yo prend toute gros décision dans conseil présidentiel dans une résolution qui signé hier vendredi 10 mai 2024 là même conseil présidentiel transition yo même yo fait connait que c'est parti majorité a cap gain pour prendre toute gros décision yo et bien sous tout conseiller qui gagne en dedans conseil là yo comprendre yo mettez yo de yo et bien pour 5 nan yo gérer gros dossier yo sous 17 mai 2024 jou krive nan bout mandat conseil présidentiel là mettez sous côté consensus tout gros décision conseil là la gagne pour prendre c'est majorité qui là et bien k'ap gagne pour prendre yo d'après ça qui écrit nan résolution yo expliquer démarche ça fait c'est dans l'idée pour inviter gen crise nan mitan yo même gens ça lui-même l'était li fait déjà le 30 avril 2024 qui s'est passé là. C'est un moment côté choix Edgar Leblanc fils comme président conseil présidentiel et puis Fritz Belizet comme premier ministre mettait en pile division dans mitan conseil là. Et bien en premier temps, il a souligné décision ça lui-même il a parlé, il a gain rapport avec choix pour premier ministre pays moun k'ap vinn dans gouvernement moun k'ap conseil électoral provisoire qui c'est KIP directeur général yo qui donc c'est majorité k'ap passer en l'autre côté yo dit tout et bien c'est 5 membres ça yo même k'ap gen pour choisir qui laisse k'ap vinn dirigeant institution indépendant yo ambassadeur avec conseil général yo conseil administration organisme autonome yo collectivité territoriale yo avec moun commandant force publique yo action ça yo même yo fait selon yo même yo fait dans l'idée pour population li même li ka vivre bien qui donc yo même en tant que gros responsable yo prend décision pour agir avec l'esprit yo l'ouvrir et puis prend toute responsabilité yo pour capable agir vite et puis travailler bien pour résoudre crise pays d'Haïti li même l'a fait face carré avec yo là dans dernier jour ça yo là n'a absolu 7 mai 2024 là et bien 9 membres conseil là li même li te fait tout moun konnen ki chaque 5 mois et bien ap gen 4 moun nan mitan yo même ki pral jouer rôle président 7 mai pour rive 7 octobre c'est ap Edgar Leblanc fils 7 octobre pour rive 7 mars 2025 étape Smith Augustin li même la jouer rôle Palia Leslie Volte ap pran 17 mars 2025 pour rive 7 d'août et puis pour finir Louis Gérald Gilles li même la représenté président et bien sorti le 7 d'août 2025 pour le 7 février 2026 n'a pas bloqué parti petit desaline et bien après pampil parler le même après quitter conseil la fait connait et pas gourmer pour poste président bagaille pour gou dit tout et bien Moïse Jean Charles met avec aider là bagaille pour gou nan mais au même parce que nèg yo même yo te déjà à bataille avec nèg sa yo vinn rentrer en bas yo et bien bouche pas gout dans dossier conseil présidentiel là et bien pour prochain rien aucun accord qui paraît vrai qui va le fait dans un champ qui pour peuple yon citoyen yo accusé comme voler bœuf li même li prend dans zip dans Jamel population dans localité Matado premier section bas cap rouge li même dans Jamel et bien dit chemin bouton c'est chemin maligne comme ça yo touyer et puis mettez di fait
sous Sony des sous Sony des sous de même ça passé hier soir vendredi 10 mai 2024 là à cause de ta fait partie une association qui a plaidé voler bœuf moun yo selon ça journal Jamel info de même li rapporté yo kembe misi avec un bœuf que li même li té sous volé et ben yo touyé et puis yo té quitté cadavre Sony à terre tout prix bœuf que li même li té sous volé malgré yo balé di mes amis yo Jamel la zone sud là yo continue par goût pour moun k'ap fè des vasi la Johnny la yo alon di la yo bien c'est jeune haïtien de 32 l'année ça qui t'a vu dans pays Chili avant lui même li t'a pral prend route là pour te rentrer dans pays les États-Unis et puis Chili jeune la mol là weekend qui s'est passé là en bas plusieurs balles là pour petite madame li semblé lui même li t'a bali dans ville Toronto et bien lui même qui trouvait dans état Massachusetts dans pays les États-Unis d'après ça la police dans ville l'a fait connait et bien yo connait les monsieur Jovens tout qui c'est un petit nom en pile monte connait jeune garçon si là lui même qui était passé en pile temps dans la ville dans zone ça Port-au-Prince et information fait connait tout il t'a vu dans Amate cité soleil qui donc c'était qui t'a fait carrière footballeur il a vu Chili et bien dans poste yo, sur internet là là en pile on a crié fait connait monsieur c'était un nèg qui était sage et bien qui semble qu'on boit petite affaire avec Zamil mais qui pas de problème à mon livre dit en rentrer dans pays États-Unis et d'avoir prendre une femme qui était déjà pillagée et bien t'a assemblé petite femme n'a pas jamais mes beau père et bien qui t'a pral bal plaisir bal et bien li perdit la vie dans pays ici là et l'autre côté et bien d'après un article qui écrit sous dossier zam k'ap rentré en Haïti yo et bien yo fait qu'on est pas gain moyen pour zam rentrer en Haïti sans la douane américaine lui même li pas au courant d'après Food Amoski c'est un expert haïtien lui-même qui a plus passé 15 l'année et puis en pile expérience dans affaires maritimes pour qu'on y a faut responsable fait document pour tout véhicule cargo et bien pour tout Caraïbes là tout Amérique centrale Amérique latine Jamaïque Saint-Domingue Haïti et la Trier et bien c'est lui-même qui responsable toute machine cargo qui a sorti États-Unis en plus de ça que lui-même lui fait document tout de suivi avec la douane li gen bureau li lui-même qui chita dans Brooklyn pays les États-Unis côté la travail depuis 8 l'année et bien après toute expérience dans affaires maritimes Food te étudier communication avec marketing dans université dans pays les États-Unis dans ville New York et bien Food de même ligue pour PPT 8 à 10 l'année depuis lui même l'a travaillé dans cause maritime dans pays Haïti il était prend un diplôme dans cargo maritime aérien terrestre avec droit commercial avec académie commerce là tout Académie commerciale même qui c'est EGM dans Santiago République Dominicaine il était employé dans MLH Maritime Logistique of Haiti et bien il vient en dans CPS Kounia il devine superviser opération POC a fait dans aéroport portier national qui donc qui c'est APN pour MLH côté lui-même il était passé 5 l'année c'est lui-même qui était responsable toute opération qui t'a fait dans port tout bateau qui a rentré conteneur cargo il t'a supervisé toute bagaille ça même pour être capable marcher bien et bien qui s'est passé après tremblement de terre 12 janvier 2010 la Ford lui-même qui était quitté pays pour aller Belgique mais après seulement 2 mois Belgique il était recevoir une demande pour te venir manager département notre pays les États-Unis pour lui-même il était gain pour lui avec dossier maritime Haïti Ford était obligé retourner en Haïti pour te venir prendre job ça à côté lui-même il t'a pas remplacer un manager qui t'a quitté pays pour lui-même il est allé Canada dans position ça tout ça lui-même qui t'a quitté Haïti pour aller pays les États-Unis et bien même était responsabilité Ford pour préparer tout document yo aller net à jusqu'à Z qui donc avant ça là même était fin monter bateau Ford de travail avec la douane américaine pour te assurer toute bagaille te fait dans la loi douane américaine m'a dit ça et ben faut nous dit tout qu'il faut lui même li te gain assistant li qui te konna bal bon petit coup de main Ford Aboski et ben lui même li te prend 100 li pour li te expliquer nous dans une interview que lui même li bail sorti dans pays États-Unis pour li rentrer dans pays d'Haïti pour un bateau qui était un port pour aller dans un autre port en dedans ou bien de yo pays a li besoin présenter yon clearance et bien qui c'est un document qui justifie dans combien port ou t'es passé avant ou même ou arrivé dans port Haïti a document ça gagne tout détail net sous parcours bateau les bateaux arrivé dans port Haïti a et bien yo kembeli dans quarantaine côté
Bodin agent lui-même qui gagne pour recevoir un prix manifeste et bien qui dit mais ça va toi lui-même lui embarqué et bien qui gagne toute information li là tout pour li tendre toute autorité qui responsable vienne vérifier si tout bagaille correct pour bateau lui-même lui rentrer en Haïti faut capitaine bateau lui-même lui gagne un checklist et bien lui-même qui gagne tout détail sur moun qui ou bien depuis qui l'est yo même yap et bien de qui est ou yé de qui nationalité ou et bien passeport yo faut tout là tout document qui légal yo même qui permet yo rentrer dans port en Haïti ya même gens ça doit fait les même faut gagner checklist tout et bien qui vienne faut que lui même li gagner yo checklist aller faut gagner yo checklist tourner avle dit pour la retourner sur Haïti. Et bien les autorités haïtiennes même yo fin vérifier tout bagaille net nous checker manifeste ou pré-manifeste checklist parfois yo konn al viser bateau yo entrer dans tout chambre yo et bien si gen moun ki malade docteur gen tan siyen pour autorité ou gen tan konnen et bien pour faire suivi et pour yo même yo capable régler cause qui gen pour avec l'hôpital et la tri sur dossier zam k ap plaider rentrer illégal dans pays a faut di nou li pas facile du tout pour un bateau qui gen zam sorti États-Unis pour rentrer en Haïti. Raison qui fait li expliquer ça c'est parce que États-Unis gen ça yo relé CBP et bien les même qui c'est pour avec moun yo même k ap fait contrôle dans zone pour protéger bordio et bien qui là tout pour protéger la mer protéger frontière pour protéger aéroport tout territoire américain c'est depuis attaque terroriste là yo même yo te vinn formé comme ça les même dans dossier qui gien pour avec dossier sécurité pays États-Unis qui donc protéger aéroport tout ça qui gien pour avec territoire américain et bien c'était depuis après une attaque terroriste qui était venu faire et bien yo là tout pour vérifier tout ça qui a rentré tout ça qui a sorti dans pays yo et bien yo vérifier tout conteneur ça yo yo checker tout ça qui suspect sous bateau et puis souvent tout yo utiliser un équipement qui relève CT pour détecter bagaille qui suspect qui permet yo même yo capable faire radiographie conteneur qui ta gagné bagaille qui doit sans yo pas besoin l'ouvrir yo inspecter cargo yo dans trois étapes dans pays ici là premièrement yo fait gros inspection côté yo utiliser DRDR là les mêmes qui c'est une digital radiographie et bien pour yo capable inspecter conteneur qui rempli avec un pile marchandise qui rentrer ou sorti dans pays États-Unis qui donc inspection ça continuer fait DRDR là tout les permettre ou vérifier conteneur qui ou bien qui sous trilé yo li fait ou même ou capable fin utiliser des air là tout si yo identifie yon bagay qui suspect là dans automatiquement yo pral mette le yon côté pour compte li et bien pour yon l'autre inspection les même côté y a ouvel pour yo wè ki sa ki ta an dans li yo fait ça tout et bien pour marchandise k ap kite peyi a et yo escanner li tout pour konnen ki sa ki an dan kontene si la sa y pati. Et bien selon spécialiste la pa gen aucun moyen pour kontene zam ki te États-Unis pour arriver avec drogue en Haïti. Et bien c'est parce que moun k'ap fè fraud yo même yo gen couloir yo gen relation ak moun k'ap escanner kontene. Le yo mande Ford a Mouski est-ce qu'il y a une possibilité pour yon institution victime sous yon coup monté et bien pour utiliser franchise de sans pas connait mais qui ça lui-même li te répond tendez bien li fait connait normalement pas ta doué gen iré dans affaire franchise pas ta doué gen iré dans ça dit tout parce que tout monde qui recevra franchise yo ta doué gen un numéro unique qui lié avec organisation ou soit institution qui capable bénéficier franchise ça en plus tout yo gen yon broker les même qui affilié ak li kap travaille avec yo et puis qui responsable pour faire dédouanement pour yo bon ça les même yo capable toujours gagner li en pile l'année à travailler ensemble avec yo qui donc pas d'adoui gagner erreur les gagner une commande qui fait sur une franchise yo et bien c'est yo même qui fait li ça passer la douane gagner un fait donc le fait qu'on est la douane li gagner un fait tout peut-être ça les même côté moun li bay franchise yo organisation avec institution qui gagner franchise yo et bien qui yon broker et bien yon représentant yo bon la douane pour yo faire suivi faut continuer pour le dire bon ça les même les
gen problème et bien ak institution ça ou bien pap travail pour li encore les révoquer moun ça et bien institution li même li konn pa fè la douane konnen ki bogè si la li même li pap travail pour li encore et puis présenter la douane yon l'autre bou li même ça qui on les dit et bien gain possibilité pour bloquer ça toujours fait même travail parce que gain accès avec document institution ça si tout si bloquer les même li connaît toute magouille institution ça qu'on fait et bien si li même li qu'on fait vie bagaille entrer sous nom franchise li et bien qu'on y a la institution ça même yo vinn dans difficulté pour li dénoncer bloquer ça yo avec ça yo même pour ta notifier kounya la et bien kounya institution ça yo même les vinn na vraie difficulté yo pas capable dénoncer parce que bokeh ali même li kon tout détail la douane bokeh ali même li pas travail pour li encore bokeh ça ali même li gen copie franchise li ya parce que bokeh ali même li connaît tout ça institution ali même la régler avec aide que yo même yo conjoint li ka dénoncer pour pas sale image à cause vie pratique li yo li même li était capable kon fait dans temps avant gen. Eh bien, gen de les anciens bokeh sa yo continue fè sa livle ak franchise institution li utilize li illégalement li bay l'autre institution numéro franchise sa yo même pou yo kapab fè bagay vini sou non institution parce que li konnen automatiquement bagay la vini lab gen tan notifye lab gen tan pran verifikate magouye li yo li même pou li pran se yon parti nan déclaration Foud Amos ki li même ki son yon expert note bon tout détail de ki bon li même li kon ap travay et bien si c'est comme ça bagay yo ye c'est celle façon ça pour zam ou bien tout l'autre détail yo ta capable rentrer nan pays d'Haïti sinon pa gen aucun l'autre façon ki bagay sa yo zam kap sout nan pays les États-Unis yo même pour ta rentrer nan pays d'Haïti pour vin craser pays ya nan jan sa vini la wèl li la nou nan dernier parti ya la pa gen pi loin nèg zam yo même malgré yo panike et yo fè konnen se kanpe goumen li ki donc fos la la pour rentrer yo même pral gen gros bataille nan yo kap vini la immédiatement fos la met pi atè et bien c'est la gè ki pral pété selon nèg zam yo et ki continue tout ap pran territoire. Donc c'est là que nous mettons fin dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des meilleures façons que vous pouvez faire ou capable faire sentir travail n'a pas arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification, mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.